Bonjour à tous, il est 19h, on va pouvoir commencer. Donc le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent est heureux de vous présenter cette conférence sur la biodiversité, intitulée « De l'abeille indigène aux chênes bicolores ». Alors cette présentation prend part à nos activités estivales où notre équipe a souhaité réaliser deux conférences afin de sensibiliser le grand public sur des sujets qui touchent la biodiversité. Vous assistez donc ce soir à la première conférence qui sera animée par ma collègue Daphné. Pour ceux qui ne connaissent pas le comité ZIP, c'est un organisme qui a pour mandat la protection, la conservation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Notre territoire comprend le lac Saint-François et le lac Saint-Louis au sud-ouest de l'île de Montréal. Pour ma part, je suis Guillaume Letournel et je serai l'animateur de cette conférence. Et donc, au sein du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, j'occupe le poste de biologiste et de chargé de projet en environnement depuis un an et demi. Actuellement, cette conférence se déroule sur Zoom, mais également en live sur Facebook. Donc, afin de rendre la présentation plus fluide, vos caméras et vos micros ont été fermés, et cette conférence sera aussi enregistrée si vous souhaitez la revoir. Concernant les interactions, je vous invite à utiliser l'icône questions et réponses symbolisée par deux bulles dans l'application Zoom pour poser vos questions. Pour les personnes qui nous suivent sur Facebook Live, vous pouvez poser vos questions directement en commentaire, puis les questions seront comptabilisées selon l'arrivage, et puis elles seront posées juste après la présentation. La conférence se déroulera de la façon suivante. Il y aura 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Maintenant que tout est dit et que vous êtes bien installés, je laisse la place à Daphné Lecourtessier, qui va pouvoir commencer sa présentation. Bonne conférence à tous. Super, ben, merci Guillaume pour la belle introduction. Donc, comme il a dit, je m'appelle Daphné Lecourtessier, je suis chargée de projet en environnement et biologiste au comité ZIP depuis maintenant un an et demi, moi aussi. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler là, des aménagements que vous pouvez faire dans votre cours pour aider la biodiversité. Donc, le plan de match pour aujourd'hui. Donc, premièrement, on va définir ensemble ce que c'est la biodiversité, définir les changements climatiques, comme ça, on s'assure qu'on est tous au même niveau. Ensuite, on va voir un peu les échelles d'action sur lesquelles vous pouvez avoir un impact pour la biodiversité et les changements climatiques. Puis, on va passer là, une bonne partie de la présentation par la suite sur les aménagements possibles que vous pouvez faire dans votre cours. Donc, en commençant tout de suite, une définition de la biodiversité. Donc, en fait, la biodiversité, le mot en soi le dit bio et diversité. Bio qui veut dire vivant en latin et diversité. Vous l'aurez deviné qui veut dire diversité. Donc, la biodiversité, c'est la diversité du vivant. Donc, on parle entre autres de la biodiversité des espèces quand on parle à l'échelle de l'écosystème. On peut parler de la biodiversité des populations à l'intérieur d'une même espèce. Et on parle de la biodiversité génétique quand on parle dans une même population. Donc, est-ce que les individus qui vivent dans une même population sont tous très semblables ou au contraire, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Pour moi, la biodiversité, c'est un petit peu comme un casse-tête, comme vous avez l'image ici, où chacune des espèces pourrait représenter une pièce et elle est en relation avec les pièces autour. Donc, un casse-tête, s'il manque quelques pièces, on arrive quand même à déterminer l'image, mais si on manque trop, on n'arrive plus, ça ne fonctionne plus. Et c'est la même chose pour la biodiversité. C'est toujours possible de perdre quelques espèces parce qu'il y a une redondance au niveau des fonctions, mais l'idéal, ça reste quand même de garder toutes nos espèces pour avoir une belle image à la fin. Donc, voilà pour la définition de la biodiversité. Par la suite, définition des changements climatiques. Donc, si vous regardez les pictogrammes que vous avez sur l'image, on a la température, les précipitations d'eau, précipitations de neige et le vent. Donc, c'est tous des choses qui font partie du climat. En fait, le changement climatique, il faut savoir qu'à la base, il y a déjà une variabilité d'une année à l'autre naturelle entre les climats. Donc, on remarque que d'une année à l'autre, il ne fait pas exactement toujours la même chose. Par contre, ce que les changements climatiques vont venir faire, c'est qu'ils vont exacerber ces changements. Donc, il va y avoir des grosses différences entre ce qui devrait normalement se passer et ce qui se passe. On pense par exemple aux grandes chaleurs d'été, aux grands froids en hiver, aux sécheresses aussi en été. Donc, on a de moins en moins de pluie l'été, alors qu'on en a énormément l'automne et au printemps, ce qui cause les inondations. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont poussées encore plus par les changements climatiques et qui nous impactent, nous, évidemment, mais qui impactent aussi la biodiversité. Donc, comme vous pouvez voir sur le pictogramme, en fait, tout est plus ou moins là, en montée. On pense entre autres à la température. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il y a un réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il fera plus froid. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grand froid en hiver. Ça veut simplement dire que la moyenne des températures augmente sur la planète. Ensuite, l'échelle d'action. Donc, évidemment, il y a comme quatre grandes échelles d'action sur lesquelles vous pouvez avoir un impact.
La première, c'est chez vous, dans votre cours, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est sans doute la plus facile aussi sur laquelle vous pouvez avoir là, vraiment un impact. Si on regarde la suivante, bien, ça serait plutôt au niveau de votre communauté autour, donc votre quartier. Il y a des gens qui peuvent se mobiliser dans votre quartier pour faire des actions. C'est quelque chose que vous pourriez faire aussi pour avoir un impact là, sur les changements climatiques et la biodiversité. Par la suite, il y a au niveau des villes. Donc vraiment là, ce serait plutôt au niveau des votes que vous pourriez avoir un impact là, parce qu'un vote, c'est une décision qui impacte par la suite les décisions qui seront prises là, pour l'ensemble de notre vie, plus ou moins. Mais donc voilà, c'est là que vous pouvez avoir un impact. Et finalement, bien, la dernière grande échelle, ce serait au niveau national, donc dans notre cas, le Québec ou le Canada. Encore là, c'est difficile en tant que personne d'avoir un énorme impact autre que par notre vote, mais ça reste que chacun des votes et chacune des petites actions qu'on fait peut avoir un impact là, assez global. Mais revenons-nous à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous pour avoir un impact sur la biodiversité? Donc, pour moi, il y a trois grands types d'aménagements possibles qui sont possibles dans votre cours. Tout d'abord, l'aménagement des infrastructures végétales. Ce que j'entends par infrastructure végétale, c'est votre potager, votre jardin, votre pelouse au sol, ce que vous faites avec les feuilles à l'automne. C'est différentes choses qui peuvent avoir, différentes petites décisions qui peuvent avoir un impact sur la biodiversité. Ensuite, au niveau des aménagements des structures minérales, ce qu'on entend par là, c'est votre cour, les murs extérieurs de votre maison, la façon dont vous avez clôturé votre cour. Ce sont toutes des choses qui, encore une fois, peuvent avoir différentes façons de les aménager qui peuvent aider ou pas la biodiversité. Et finalement, les troisièmes aménagements possibles, ce serait les infrastructures construites. Donc ça, c'est pour les gens qui aiment, qui sont peut-être un peu plus manuels, qui aiment construire des choses ou qui ont envie de vraiment installer des choses pour la biodiversité dans leur cour. Rassurez-vous, c'est tous des choses ou presque que vous pouvez aussi acheter déjà construites en magasin pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins manuels. Donc, on va commencer par l'aménagement des infrastructures végétales. Donc, ça, c'est surtout des choses que vous pouvez faire là, pendant la saison estivale, mais aussi en ce moment à l'automne, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour commencer, on va y aller avec ce qui se passe au sol, donc le couvre-sol. Donc, le couvre-sol désigne les plantes qui croisent de manière à former un tapis dense et végétal. Donc, en gros, c'est votre gazon, votre pelouse. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est, ou que vous savez peut-être, c'est qu'il peut mettre autre chose sur votre terrain que de la pelouse. Donc, dans ce cas-ci, notre couvre-sol, ce serait un substitut à la pelouse. Il y a différents types et ils ont différentes propriétés. Il y en a qui sont excessivement bons pour empêcher la prolification d'herbes indésirables. Donc, exemple, les pissenlits. Remplacer la pelouse aussi par des endroits difficiles où la pelouse n'arrive pas à pousser. Donc, souvent, là, en dessous d'un arbre où il y a beaucoup de l'ombre, dans une pente, dans des endroits sèches ou trop humides, ça peut être difficile pour la pelouse traditionnelle de croître. Donc, à ce moment-là, vous pouvez y mettre autre chose qui pourrait là, couvrir le sol. C'est important d'avoir un couvre-sol parce que dans certains cas, ça peut prévenir l'érosion. Donc, on pense à tous les citoyens ici là, qui habitent près de l'eau et qui ont des problèmes, là, qui voient leur terrain partir année après année, dans l'eau, ça peut vous aider là, à garder votre terrain finalement en place. Donc, les couvre-sols sont assez intéressants à ce niveau-là et évidemment, ils ont plein de bienfaits là, pour la biodiversité qu'on va voir bientôt. Donc, il existe évidemment plusieurs types de couvre-sols que vous pouvez utiliser autres que la pelouse. Je ne les présenterai pas tous aujourd'hui, mais j'en ai choisi quelques-uns là, qui, selon moi, pourraient là, intéresser quelques-uns parmi vous. Donc, les premiers, ce seraient les herbes rampantes, dont le donc est entre autres le thym et l'origan. C'est des plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil, donc assurez-vous si vous voulez en installer que ce soit un endroit très ensoleillé et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Donc ça, c'est très bien là, pour les gens qui ont des endroits, des milieux secs sur leur terrain, par exemple. Ce qui est le fun aussi, c'est que le thym et l'origan, ben, ça sent bon. Donc quand vous marchez, ça va avoir une bonne odeur. Vous pouvez mettre des mains dedans aussi. Là. Normalement, c'est des herbes qu'on mange aussi, là, c'est des herbes. Donc, très agréable à mettre sur le terrain. La menthe corse, c'est un petit peu le même principe. Donc, aussi une herbe qui a aussi besoin de beaucoup de soleil. Par contre, elle va avoir besoin de beaucoup d'eau. Donc, si vous avez un milieu qui est un peu plus sec, là, peut-être à pas à prendre, ou si vous avez un milieu humide au soleil, ça peut être intéressant. Les mousses à feuilles persistantes, par la suite, c'est des plantes qui vont croître à l'ombre. Donc, pour les gens qui ont beaucoup d'arbres sur leur terrain, ça peut être super intéressant à ce niveau-là et qui ne demandent pas beaucoup d'eau. Généralement, là, les mousses, elles arrivent à survivre à pas mal toutes sortes de climats. Donc, ça peut être intéressant si vous avez là, ce genre de terrain. Et le quatrième, ce serait les prairies fleuries. Donc, ça, c'est pour les gens qui aiment un peu plus le look sauvage, on va dire.
qui ont peut-être moins envie de faire de l'entretien aussi. Ça peut être une raison. Et c'est super bon pour les pollinisateurs, évidemment, parce qu'avec toutes ces petites fleurs-là, ben, non seulement ça apporte la couleur, mais en plus, les abeilles et les pollinisateurs, généralement, elles aiment bien ça. Donc, c'est vraiment une belle alternative là, au gazon. Il y a un quatrième, une cinquième espèce que j'aimerais bien vous parler. C'est un petit peu mon préféré. J'en parle souvent, pour ceux qui me connaissent. C'est le trèfle. Donc, le trèfle, en fait, il a vraiment plein de bonnes qualités. Il pousse tout d'abord très rapidement à la saison au printemps. Donc, c'est bon pour le moral. Ça fait du bien de boire du vert tôt dans la saison. Très agréable. Il va supprimer les mauvaises herbes aussi, donc ce que les gens aiment peut-être moins avoir dans leur parterre. Il va enrichir la terre, aérer le sol, donc il est vraiment excellent pour ça. Il y a aussi certaines variétés, dont le Trifolium pipolina, qui ne grandira pas beaucoup. Il va être très, très court. Donc, pour les gens qui n'aiment pas trop passer la tondeuse, ça peut être super intéressant. En plus, là, celui-là, il fait rarement des fleurs. Là, donc, pour les gens qui aiment ça, que ce soit uniforme et vert, ben, ça peut être une belle alternative. Par contre, important de souligner, le trèfle, au début, quand on l'arrose, quand on le plante, il y a besoin d'arrosage assez fréquent. Sauf que par la suite, une fois qu'il est bien en place, bien installé, vous n'aurez presque plus besoin de l'arroser, en fait, pas du tout. Et il résiste vraiment mieux là, à la sécheresse que le gazon traditionnel, ce qui peut être assez intéressant dans les dernières années. Là, on a vu que nos étés sont très, très chauds et secs. Donc, peut-être une belle alternative là, pour avoir encore un parterre vert rendu au mois d'août. Évidemment, je ne vous en parle pas pour rien non plus aujourd'hui. Je n'en parle pas parce que c'est beau et que ça ne prend pas juste d'entretien. C'est aussi excellent pour les pollinisateurs. Donc, c'est une plante qui est mellifère, qui est excellente pour les abeilles. J'avoue que j'ai moi-même testé là, le produit l'été dernier dans ma cour. J'avais vraiment délimité une parcelle où j'avais mis du trèfle comme ça et que j'ai laissé pousser. Et effectivement, là, tous les jours, j'avais entre 5 à 10 abeilles, là, voire bourdons ou autres, qui venaient là, butiner. Donc, ça fonctionne vraiment et ça fait vraiment une belle différence. Donc, ça, c'était pour les couvre-sols. Par la suite, j'imagine qu'il n'y a pas juste du gazon dans votre terrain. Donc, autre chose qui peut être intéressant, c'est d'avoir un jardin qui est en fleurs toute l'année. Donc, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de plantes qui vont fleurir là, juin, juillet, début à août, mais qui, par la suite, là, ben, les fleurs sont finies, la floraison s'est terminée. Ce qui fait que si on a beaucoup de plantes dans un jardin qui vont fleurir très tôt, donc, il y a beaucoup d'insectes qui vont venir s'installer parce qu'on se dit, mon Dieu, mais il y a plein de nourriture ici, c'est parfait, je vais m'installer, je vais faire les futures générations vont être bien, il y a plein de nourriture, sauf qu'ici, rendu au mois d'août, ben, il n'y a plus rien. Ça se peut que les insectes se retrouvent coincés, il n'y a plus de nourriture, n'arrivent plus à se développer. Donc, c'est un petit peu comme ils sont fait un petit peu attraper. Donc, ce n'est pas vraiment pas l'idéal si on veut aider la biodiversité. Donc, c'est simplement de faire des choix, en fait, quand vous allez acheter vos plantes, quand vous choisissez de faire vos aménagements, de vous assurer de prendre des plantes qui vont fleurir à différents moments de l'année. Donc, on pense entre autres là, au tournesol qui vont fleurir à la fin de l'année, la lavande qui va fleurir juillet à août, et l'aster, là, qui est une plante qu'on retrouve là, de façon naturelle au Québec, elle fleurit comme en septembre. Là, donc, c'est vraiment super pour les abeilles. Elles vont là, vraiment apprécier ce petit festin à la fin de l'année. Donc, important, encore une fois, d'avoir des plantes qui fleurissent toute l'année. C'est bien. Mais c'est aussi important d'avoir des plantes qui sont bonnes pour la biodiversité. Parce que ce n'est pas toutes les plantes qui sont mellifères. Donc, ils vont servir là, de nourriture pour les insectes et autres pollinisateurs. Donc, c'est important de choisir aussi ce type d'espèces-là. Vous en avez une liste sur la diapositive ici. Évidemment, ce n'est pas une liste qui est exhaustive, encore une fois. Donc, je ne peux pas tous les mettre. Mais ça vous donne quand même un indice là, sur quelques types de plantes que vous pourriez mettre dans votre potager, dans votre jardin, qui pourraient être intéressantes. Et vous pourriez recréer en fait le genre de structure qui vous est proposé ici, avec du trèfle dans le bas, quelques lavandes sur le dessus, parce que les lavandes, en fait, sont adorées par les abeilles. Vous avez des asclépiades aussi, là, donc les petites fleurs gauches, les petites fleurs roses à votre gauche, qui sont excellentes pour les monarques. Les asters un petit peu plus haut pour à l'automne. Et notre tournesol aussi, qui est toujours très apprécié par les abeilles. Donc, c'est simplement une proposition, mais ça vous donne une idée de ce que vous pourriez installer dans votre jardin pour aider nos pollinisateurs. Donc là, on a nos couvre-sols, on a nos jardins. Par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a toujours de plus en plus d'eau, principalement au printemps, dans nos jardins. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette eau-là pour éviter qu'elle se retrouve là, finalement à submerger nos systèmes d'aqueduc? Bien, on peut faire des jardins de pluie. Donc, les jardins de pluie, là, dans le fond, ils ont capté l'eau de pluie en surabondance. Vont la retenir temporairement, vont la faire s'infiltrer dans le sol. Et en fait, ça va permettre de diminuer la pression sur les réseaux d'aqueduc et d'éviter, là, dans le fond, les surverses qui sont vraiment pas très bonnes pour notre fleuve, entre autres.
Donc, il y a différents types de jardins de pluie que vous pouvez installer. Le premier que je présente, c'est ceux qui sont à proximité de la maison. Donc, ils sont faits vraiment avec les gouttières, entre autres, de la maison. Donc, c'est simplement de détourner les gouttières pour pas qu'elles s'en aillent dans la rue, mais bien vers un jardin. Donc, vous voyez, voir sur l'image, en fait, on a deux gouttières là, de chaque côté des escaliers qui permettent là, à l'eau de se diriger directement dans un espèce de petit étang. Ça fait des très beaux aménagements. Puis, la biodiversité, évidemment, là, elle en profite amplement, particulièrement des points d'eau comme ça là, dans les moments de sécheresse. Ça peut être intéressant pour l'eau, pour les petits oiseaux, là, pour aller se baigner et s'abreuvoir. Pardon. Il y a d'autres façons de le faire aussi. Donc, les gens ici ont été assez ingénieux. Ils ont fait un potager surélevé qui est directement alimenté par l'eau de pluie là, venant de la gouttière. Donc, ça peut être quelque chose de très rendre utile à l'agréable, finalement. Et ici, on a quelqu'un qui a combiné les deux. Donc, on va avoir des potagers qui vont recevoir l'eau de la gouttière. On va avoir aussi un récupérateur d'eau de pluie directement là, branché à la gouttière qui, en plus, ont mis des plantes sur le haut. Donc, on va avoir une filtration directe de l'eau de pluie avant de se rendre là, dans l'arrosoir. Donc, c'est excellent aussi comme aménagement. Il y a des aménagements qui peuvent se faire aussi un petit peu plus éloignés de la maison pour les gens qui auraient certaines réticences ou qui n'ont juste pas l'emplacement. Donc, dans ce cas-ci, les gens ont mis ça vraiment en bordure de route. Donc, c'est tout petit, un petit jardin, mais avec les roches qu'on voit, ça va venir filtrer l'eau, absorber l'eau. Donc, encore une fois, l'eau ne se ramasse pas là, dans notre réseau d'aqueduc, c'est l'idéal. Il y a des gens qui aiment ça aussi, faire ça un peu plus gros. Ça prend de la place, mais c'est super beau. Puis ça permet encore une fois là, de filtrer l'eau, de la retenir. Et c'est aussi fait de plus en plus en ville. Donc, je ne sais pas si parmi les participants, parmi vous, il y en a qui sont des urbanistes ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est fait de plus en plus, notamment à New York. Donc, vraiment, là, ça s'installe un peu partout, ces petits jardins de pluie-là. Dernière chose que vous pourriez faire, en fait, et puis je pense que les gens qui n'ont pas nécessairement envie d'entretenir leur terrain vont être contents, c'est le feuillet cyclage. Donc, c'est exactement le bon moment de l'année pour le pratiquer. En fait, c'est simplement de laisser les feuilles qui tombent des arbres à l'automne sur place, de ne pas les ramasser. Et il y a plein de bonnes raisons pour ça. Donc, tout d'abord, en laissant les feuilles sur place, bien, déjà, vous n'aurez pas besoin de les amener au chemin. Il n'y aura pas quelqu'un qui va devoir s'arrêter devant votre maison pour récupérer les sacs. Donc, on gagne en gaz à effet de serre. Déjà, c'est un très bon point. Par la suite, les feuilles, en se décomposant, elles vont agir comme engrais naturel pour votre gazon, ce qui va faire qu'il va être encore plus beau l'année d'après. Donc, très, très intéressant. D'autant plus que ça fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser d'engrais à ce moment-là, engrais chimiques, on s'entend. Surtout que les engrais chimiques, souvent, elles ne sont pas 100% absorbées par les plantes. Ce qui fait que s'il y a un cours d'eau à proximité, il risque de se ramasser dedans et de créer éventuellement là, des blooms d'algues au niveau des lacs. Donc, vraiment pas ce qu'on veut, pas intéressant du tout. Et finalement, pour la biodiversité, bien, c'est très intéressant d'avoir ces feuilles-là au sol. Ça leur permet d'avoir des petites cachettes, notamment là, pour les insectes, les arthropodes qui vont passer l'hiver là, entre ces feuilles-là. Ça leur sort de couche en fait, d'isolation entre la neige, qui est déjà un isolant du froid, et le sol. Donc, ça leur fait comme une couche de plus. Cachette, c'est excellent. Là. Donc, pour la biodiversité, là, ça vaut vraiment la peine de laisser les feuilles sur place. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, laisser les feuilles sur place? Parce qu'on ne peut pas juste laisser les feuilles tomber, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut passer la tondeuse dedans, tout simplement. Donc, quand vous faites votre tondeuse à l'automne, de ne pas enlever les feuilles, juste passer la tondeuse dedans. Parce qu'en fait, une feuille complète, c'est trop long à décomposer. Donc, si vous passez la tondeuse, elle se déchiquette et là, les petits morceaux vont arriver à se décomposer pendant l'hiver, donc au printemps, là, il ne devrait plus être là. Une fois les feuilles déchiquetées, ce que vous pouvez faire, bien, vous les laisser sur place, vous pouvez les mettre au compost, si vous faites du compost maison, vous pouvez les mélanger là, avec des feuilles pour faire comme le paillis de votre jardin, etc. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour réutiliser les feuilles. Quelques petits conseils aussi, si vous souhaitez faire du feuillet cyclage, évidemment, passez la tondeuse de relativement régulièrement quand les feuilles elles sont sèches. Assurez-vous aussi que ça soit quand même bien réparti sur votre terrain pour s'assurer qu'il n'y ait pas comme un spot où le gazon là, n'arrive plus à respirer. Puis effectivement, là, laissez le gazon là, quand même transparaître à travers les feuilles parce que sinon, il va vraiment être étouffé pendant l'hiver puis ça ne marchera pas à ce moment-là. Ce ne sera pas idéal du tout. Là, il va comme juste mourir. Donc, et vous pouvez toujours déposer les surplus dans votre bac-pain. Donc ça, c'était vraiment là, tout ce qu'on voyait au niveau des aménagements de végétaux, donc de plantes que vous pourriez installer, mettre dans votre jardin. Si on passe par la suite aux aménagements minéraux qui sont tous un peu plus costauds à faire, c'est pour les gens qui ont peut-être un peu plus de motivation, mais ça donne des résultats très, très intéressants.
Donc là, on va commencer avec les pavements perméables ou pavés alvéolés. Peut-être que vous avez déjà entendu le terme. En fait, c'est des pavés qui imitent le processus naturel là, produit à la surface du sol, donc qui va absorber l'eau. Donc en fait, c'est de remplacer l'asphalte traditionnel de votre cours par un asphalte qui va avoir certaines... un pavé qui va laisser passer l'eau. Donc, il va y avoir des trous dedans pour permettre à l'eau de s'évaporer, de s'en aller. Mais ça va permettre aussi de briser un petit peu l'effet d'îlot de chaleur de votre asphalte. Ce qui fait que ça peut être doublement intéressant, là, principalement quand il fait excessivement chaud en été. Donc, comment ça fonctionne, les pavements perméables? En fait, c'est comme vous voyez sur l'image, il va y avoir différentes couches qui vont être installées. La première, c'est celle sur laquelle vous avez accès directement avec votre voiture. Et en fait, ça va agir comme filtre. Donc, on va avoir des filtres de différentes grosseurs qui vont permettre de filtrer à la fois les détritus, donc les feuilles, par exemple, qui seraient tombées au sol, mais aussi de filtrer en une certaine partie les contaminants qui prévenaient, par exemple, de votre voiture s'il y a une fuite ou de la tondeuse, quoi que ce soit. Donc, non seulement ça retient l'eau, ça la filtre, mais en plus, comme je disais, là, c'est excellent pour les îlots de chaleur. Donc, vraiment, là, c'est... un win-win sur toute la ligne. Et il y a différents types là, de pavements que vous pouvez installer qui vont tous laisser passer l'eau. Pour les gens qui sont peut-être un peu plus urbains, qui ont peut-être moins envie de l'effet là, gazon, il y a toujours celui qui est à gauche. C'est sûr que ça, pour la biodiversité, ça reste que ce n'est pas idéal, mais ça fait quand même le travail de laisser passer l'eau. Donc, dans le cas de la gestion des eaux de ruissellement, ça fait quand même le travail, c'est bien. Et par la suite, là, vous avez les deux qui sont soit au milieu ou à droite, qui ont toujours un peu plus... De végétation qui laisse passer. Évidemment, plus il y a de végétation en place, plus les biodiversités peuvent s'y développer. Donc, ça va créer des micro-habitats, tout simplement, là, pour que la biodiversité puisse s'y installer et s'y développer. Puis c'est vraiment idéal. Puis dans le cas là, d'une image comme sur la droite, là, bien, vraiment, là, il y a une bonne gestion de l'eau, ça crée des micro-habitats. Puis c'est sûr que ça absorbe aussi une partie de la chaleur. Là, donc, en termes là, de l'eau de chaleur, c'est excellent. Il n'y a pas juste votre gazon, il n'y a pas juste le sol que vous pouvez aménager, il y a aussi les murs de votre demeure, de votre résidence, donc avec les murs végétaux ou les plantes grimpantes qui grimpent là, tout simplement sur les murs de votre résidence pour créer une façade verte ou ce qu'on appelle une façade végétalisée. Donc, il y a plein de bons avantages à ça. En fait, tout d'abord, ça crée une meilleure isolation thermique. Donc, tout simplement, là, les feuilles vont absorber une partie de la chaleur venant du soleil plutôt que le mur de votre résidence, qui va permettre là, de réduire les coûts de climatisation. Donc, tant mieux. En plus, ça va faire une filtration de l'air, évidemment, parce que c'est des plantes, donc tu as de la photosynthèse. Ça va faire une absorption de l'eau au sol avec les racines. Ça va créer une protection là, contre les ultraviolets de votre résidence aussi. C'est bien pour l'esthétique, c'est toujours beau, particulièrement là, quand ça vient à l'automne, quand c'est rouge, c'est très, très intéressant. Et évidemment, pour la biodiversité aussi, c'est excellent parce que ça vient créer un genre d'habitat de façon complètement verticale. Donc, c'est surtout les oiseaux qui vont en profiter, mais on adore les oiseaux, donc c'est parfait. Ça peut créer en fait là, un habitat, ça peut créer une ressource naturelle de nourriture aussi parce que souvent, les vignes qui vont pousser vont créer des petits fruits bleus à l'automne que les oiseaux vont adorer, ils vont se nourrir. Donc, c'est vraiment excellent là, pour les oiseaux, les insectes, tout ça. Ils vont vraiment là, apprécier les murs végétaux. Aussi, je tiens à préciser, là, souvent on entend que les murs végétaux, c'est dangereux pour le mortier de votre résidence. Mais si votre mortier est récent, et récent dans le sens qu'il n'y a pas 150 ans, 100 ans, il n'y a pas de problème du tout. Là, les mortiers qu'on utilise de nos jours sont très, très résistants. Il faut dire que ce n'est pas des racines qui rentrent dans les mortiers, c'est vraiment juste des petites ventouses. Donc, il n'y a vraiment pas là, de danger à avoir à ce niveau-là. Donc, au Québec, on a trois grandes plantes qui sont nos plantes grimpantes. Donc, la première, la vigne vierge, c'est une espèce qui est indigène. Donc, c'est celle qu'on recommande de prendre ou du moins de laisser pousser. Elle devient, comme vous l'avez sur l'image, très rouge à l'automne. C'est magnifique. Et elle fait des petits fruits bleus. Fruits bleus qui sont excellents pour les oiseaux, mais qui sont toxiques pour l'humain. Donc, je sais que ça peut être tentant de goûter, mais gardez-vous une petite gêne parce que vous risquez d'avoir quelques petits problèmes digestifs par la suite. Il y a aussi deux autres plantes que vous pouvez installer qui réussissent aussi très bien là, dans notre région. Donc, le lierre de Boston, qui est un peu comme la sœur de la vigne vierge, qui sont de la même famille, mais qui n'est pas indigène du coin, et l'hydrangée grimpante. Donc, la vigne vierge et le lierre de Boston vont pousser relativement rapidement, ce qui est très intéressant dans leur cas. Donc, en quelques années, là, normalement, votre façade est assez là, bien recouverte. L'hydrangée grimpante va pousser un peu moins vite dans son cas, mais elle fait des très belles fleurs blanches. Donc, savoir là, ce que vous préférez, ce que on veut tout de suite une
face à verte ou on prépare l'épée blanche, comme vous voulez. Donc, c'est les trois là, qui arrivent là, très, très bien à pousser dans notre région. Par la suite, on a les clôtures végétales. Donc, une fois que vous avez là, votre pavé vert, les murs végétaux, il reste les clôtures. Les clôtures écologiques, là, c'est excellent. Ça crée une espèce de petit couloir de biodiversité qui permet aux espèces de se déplacer. Donc, pour la connectivité, là, c'est excellent. Et il y a différents modèles, évidemment, là, de clôtures végétales qui est possible d'installer. Donc, évidemment, il y a plein de bons avantages à une clôture végétale. Un petit peu comme un mur végétal, donc ça va servir de ressource alimentaire, servir de milieu d'habitat pour les espèces, purification de l'air, filtration de l'eau. Ça va réduire les effets des signaux de chaleur. Ça a aussi un effet coupe-son. Donc, quand c'est très dense, la végétation, ça va couper le son. Donc, pour les gens qui habitent dans des endroits qui sont peut-être bruyants ou à proximité de routes passantes, ça peut être quelque chose qui est intéressant. C'est aussi intéressant parce qu'une fois que c'est assez dense, oui, ça coupe le son, mais évidemment, ça coupe la vue aussi. Donc, pour l'intimité, ça peut être super bon, très, très bien. Et encore une fois, pour les gens qui habitent près de l'eau, bien, ça crée un phénomène là, ça retient le sol. Donc, pour l'érosion, ça peut être super intéressant aussi. Effet à noter aussi, évidemment, ça a un effet brise-vent. Donc, pour les gens qui habitent en campagne où il y a beaucoup de vent qui vient des champs, ça peut être intéressant aussi là, de vraiment couper le vent de cette façon-là avec des installations de champs. Donc, il y a différents types. Évidemment, il y a le classique Etced, donc qui est une des plus communes là, clôtures végétales qu'on a au Québec. C'est de base, mais ça fonctionne très, très bien. C'est super intéressant. Le cèdre pousse relativement rapidement. Et c'est surtout intéressant parce que l'hiver, comme c'est un conifère et qu'il garde son feuillage, ou du moins ses épines, bien, les animaux peuvent continuer à s'aller s'y réfugier. Notamment nos petites mésanges qu'on aime beaucoup vont aller là, se réfugier dans les cèdres pendant l'hiver. Donc, ça leur crée un petit rétabli. C'est excellent pour la biodiversité. On a aussi les haies champêtres qui sont un petit peu le pendant là, feuillu des haies de cèdre. Donc, une haie champêtre, là, en fait, c'est que vous pouvez mettre plusieurs espèces en haie et qui, donc, on a une variation de couleur, variation de hauteur, de feuillage. Donc, ça peut être très intéressant visuellement. Puis en plus, si vous avez une belle diversité bien, et que vous choisissez des espèces spécifiquement pour la biodiversité, bien, ça crée un garde-manger là, et un habitat vraiment intéressant pour ces espèces. On a les haies brise-vent classiques, donc quand on a une différente hauteur, dont des arbres, qui peuvent aussi être très intéressants, particulièrement, encore une fois, pour les gens qui habitent en campagne où il y a beaucoup de vent. La hauteur des arbres là, permet aux oiseaux, entre autres, d'avoir un perchoir, d'avoir un endroit où nicher, ce qui peut être très, très intéressant. Alors que ce qui est plus bas, donc les arbustes, les herbacées, va créer un petit couvert pour les lapins, les écureuils, ce genre de choses. Donc, vraiment, là, à deux niveaux pour deux types de biodiversité, ça peut être super intéressant. On a les murets de gabion qui, à première vue, sont peut-être un peu moins bons pour la biodiversité, mais en fait, c'est qu'ils sont bons pour un autre type de biodiversité, tout simplement. Donc, les murets de gabion, c'est ces espèces de cages dans lesquelles on va mettre des roches. Et dans le cas de l'image juste ici, vous avez aussi des plantes qui ont été installées sur le dessus. Donc, les gabions, c'est excellent pour tout ce qui est insectes, arthropodes. Les araignées vont beaucoup aimer là, aller se cacher dans ce genre de petits murets-là. Donc, c'est excellent pour ce genre de choses. Et ça a aussi un petit look urbain. Donc, peut-être pour les gens qui habitent un peu plus en ville ou qui ont envie d'un look un peu plus moderne, ça peut être quelque chose de super intéressant aussi. Par la suite, on aurait ce qu'on appelle le mur végétal, donc pas comme celui qu'on parlait de votre résidence, mais vraiment une structure clôturée sur laquelle on va venir installer des végétaux, comme sur l'image que vous avez ici. Dans ce cas-ci, là, on pourrait mettre, par exemple, des fines herbes. Donc, pour les gens qui ont envie d'avoir un potager vertical, ça peut être super intéressant. Ça permet de faire tout ce que les autres font aussi, donc cacher la vue, etc. Mais en plus, c'est une partie de votre garde-manger et la biodiversité en profite. Donc, tout le monde est gagnant. Et le dernier, ce serait les clôtures de vigne. Donc, la vigne, là, on en a parlé un petit peu avec les murs de vos résidences, mais ça fonctionne aussi avec les clôtures. La vigne, ça vient aussi très dense, donc c'est très bon pour couper le son, pour créer un habitat. Ça pousse pratiquement tout seul. Là. En fait, une vigne, c'est simplement là, prendre une petite branche, la planter au sol, puis ça y est, c'est parti. Là, donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ça peut devenir là, très, très intéressant pour les gens qui ont peut-être envie de faire ce genre d'aménagement, mais qui ont peut-être un peu moins de moyens. Donc, quelque chose de plus accessible pour tous. Donc, ça, c'était pour les clôtures végétales. Donc, tous très intéressantes, mais pour différentes raisons. Finalement, on passe sur les aménagements construits. Donc, les choses que vous pouvez construire à la maison ou acheter en magasin si vous le désirez. C'est peut-être pour les gens un petit peu plus manuels ou quelque chose, quelqu'un qui veut pousser un petit peu plus encore là, l'aménagement de son terrain. Donc, tous très intéressants. Donc, on va en avoir pour les oiseaux, pour les tortues et les chauves-souris. Donc, on va commencer avec les mangeoires pour les oiseaux. Mangeoires et nichoirs.
Donc, c'est important de souligner qu'avec les coupes de forêt, les réaménagements des terres agricoles, l'expansion urbaine, il y a de moins en moins de sites de nidification pour les oiseaux, de moins en moins de ressources alimentaires disponibles aussi. Donc, on devient là, il faut commencer à aider nos petites populations d'oiseaux, particulièrement les oiseaux champêtres là, qui sont vraiment là, grandement impactés dernièrement. Donc, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est d'installer des nichoirs et des mangeoires chez nous. Il existe différents types de nichoirs pour différents types d'oiseaux. Donc, tout dépendant de ce que vous avez envie d'avoir dans votre cour ou de ce qui se trouve déjà, peut-être mettre différents nichoirs à ce moment-là. Donc, celui que vous avez complètement sur votre gauche avec le tout petit trou, c'est celui de la mésange. La mésange, là, on en a quand même beaucoup au Québec, mais elles ont de plus en plus de difficultés à nicher. Donc, ça peut être super intéressant. Surtout que les mésanges, c'est quand même les oiseaux qui sont très curieux. Donc, ils vont venir là, facilement vers vous. Donc, si vous avez des enfants, ça peut être une très belle activité à faire. Notez par contre que le trou est tout petit. C'est très important que le trou soit petit et que comme presque que la mésange qui puisse y entrer. Sinon, là, ça se peut que votre nichoir soit parasité par un moineau. Les moineaux domestiques, on les aime bien, là, mais il y en a déjà beaucoup. Donc, on n'a pas vraiment besoin de les aider. Donc, c'est vraiment là, s'assurer que si c'est ce que vous voulez, là, que le trou soit le plus petit possible. Par la suite, le deuxième, si vous remarquez, l'ouverture est très différente. En fait, c'est un nichoir pour les oiseaux nocturnes, donc les prédateurs nocturnes, donc les hiboux, les chouettes. L'ouverture elle est grande pour un petit peu recréer le trou dans lequel ils vont se mettre là, dans un arbre pour leur permettre d'observer à l'extérieur et de rester en sécurité un petit peu plus longtemps avant de partir à la chasse. Le troisième nichoir, donc, ce serait un nichoir pour mères. Donc, les mères vont faire leur nid là, vraiment à la jonction entre deux branches, vraiment au milieu. Et comme c'est des oiseaux qui sont quand même plus gros que les mésanges, plus gros que les mésanges, ils ont besoin de peut-être un peu moins de protection. Ils arrivent à se défendre là, contre les moineaux et peut-être contre les yeux bleus. Donc, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas besoin là, d'avoir vraiment comme une boîte dans laquelle ils vont là, faire leur nid. Un habitat comme ça, là, c'est tout à fait pertinent. Finalement, celui sur votre droite, donc c'est un nichoir à canard branché, donc pour les gens qui ont des milieux humides à la maison ou qui habitent proche de l'eau. Ça peut être intéressant, là, comme vraiment au sol, va permettre au canard de rentrer et d'aller faire son nid. Il faut faire attention avec les nichoirs, donc c'est bien de les installer, mais il faut quand même prendre quelques précautions. Donc, ne pas installer de perchoir, donc un petit bâton sur lequel les oiseaux peuvent venir se percher, ne pas en installer sur vos nichoirs, sinon c'est les moineaux et les étonneaux sansonnets qui vont venir s'installer. On les aime beaucoup, ces oiseaux-là, mais ce n'est pas nécessairement ceux-là qu'on veut dans nos nichoirs, sachant qu'ils vont très bien. Donc, on évite là, de venir mettre ce genre de perchoir, surtout qu'eux, en fait, s'il y a un perchoir, ils vont venir s'installer et vont venir là, attaquer les oiseaux qui sont dans le nid. Donc, on ne veut pas là, qu'il y ait de meurtre d'oiseaux, le moins possible. Ensuite, important, très important aussi de nettoyer les nichoirs au printemps avec là, de l'eau savonneuse ou voire de l'eau de Javel pour s'assurer qu'il n'y ait plus de ou qu'il n'y ait pas de parasites qui se passent d'année en année entre les oiseaux. Ça serait quand même dommage là, d'installer des nichoirs dans votre cour, d'avoir des beaux oiseaux qui viennent s'installer, mais que finalement, ils attrapent les parasites et ils en décèdent. Donc, c'est important, on fait un nettoyage au printemps, si possible à l'automne aussi, parce qu'on ne sait jamais, là, il y a toujours des intrus qui peuvent s'installer pendant l'hiver dans vos nichoirs, que ce soit des petites souris ou des écureuils. Rendu là, c'est à vous de savoir ce que vous faites, là, est-ce que vous désirez chasser les souris, chasser les écureuils ou et laissez-le, c'est à vous voir, mais ça reste que c'est un risque qui est quand même commun là, aux nichoirs et qui, eux, risquent aussi là, d'emmener leurs parasites. Donc, on fait toujours un petit nettoyage au printemps. Pour les mangeoires, bien, c'est un petit peu le même principe. Donc, différents types de mangeoires, différents types d'oiseaux. Donc, on a les mangeoires un peu comme classiques, donc les deux premières là, avec des crânes qui vont pouvoir permettre d'attirer là, les oiseaux crânivores, donc les petites mésanges, les citelles, les pigouas, sans mettre un peu de suif. On a le troisième, qui est un nouveau modèle. Ça fait pas super longtemps, je pense que c'est sorti, mais c'est un très beau concept. C'est pour surtout si vous aimez là, l'observation de faune de près. Un petit mangeoir en plastique que vous pouvez coller à votre fenêtre avec des graines que vous pouvez mettre dedans. Donc, vous allez pouvoir là, vraiment avoir la faune d'assez près. Pour l'avoir expérimenté, là, ça fonctionne assez bien. Par contre, c'est sûr que ça se peut que vous ayez encore une fois des intrus dedans. Donc, peut-être des petits tamias ou autres là, qui viennent vous voir, mais ça reste la fonte, donc ça peut être intéressant. Et finalement, sur la droite, c'est pour les colibris. Donc, ils vont venir là, avec leur petite langue là, dans le trou pour se nourrir, donc avec de l'eau et du sucre. Encore une fois, évidemment, si vous faites ces installations-là, bien, il y a des choses à prendre en considération. Donc, si vous installez les mangeoires trop près d'une vitre, et quand je dis trop près d'une vitre, là, c'est comme 1 mètre, 2 mètres, ça peut être relativement proche, ça peut créer des collisions dans vos fenêtres.
des oiseaux là, qui ne verraient pas qu'il y a une structure là, solide et qui vont foncer dedans. Les cas là, de mortalité chez les oiseaux à cause des fenêtres, c'est assez élevé. Là. Donc, si vous remarquez qu'il y a trop d'oiseaux qui foncent dans vos fenêtres, soit reculez vos mâchoires, les mettre un peu plus loin dans votre cour, soit les coller très proche de votre fenêtre, ce qui va permettre que si l'oiseau arrive, il va avoir déjà comme ralenti. Ou encore, il existe des autocollants que vous pouvez mettre dans vos fenêtres qui réfléchissent la lumière UV. Donc, nous, humains, nous ne voyons pas ces autocollants, mais les oiseaux qui voient les UV vont les voir et vont comprendre qu'il y a une structure solide devant eux qui va leur éviter de foncer dans la fenêtre. Aussi, ça peut paraître bête, mais c'est vrai, il faut le dire, si vous avez un chat à la maison qui va dehors, peut-être pas installer de nichoir ou de mangeoire pour les oiseaux parce que vous venez de lui installer un Saint-Hubert gratuit. Donc, c'est toujours à considérer. Et finalement, là, pour les nichoirs à colibris, très, très, très important de les nettoyer à l'eau savonneuse chaude minimum une fois par semaine parce que sinon, il y a une possibilité qu'il y ait un champignon qui s'installe, qu'un colibri arrive, installe le champignon ou le transmette à quelqu'un, un autre colibri. Et une fois que le champignon est installé, en fait, il s'installe sur leur langue, ça va faire gonfler la langue et le colibri n'est plus capable de re-rentrer sa langue et c'est fini. Une fois que le champignon est installé, là, le colibri, c'est sûr qu'il va mourir. Donc, vraiment, vraiment important, on ne veut pas que le champignon se transmette. Donc, en lavant le minimum une fois par semaine, vous devriez éviter là, ce genre de situation. Pour les tortues, donc, on aime tous beaucoup les tortues, c'est mignon, ça ne fait pas trop de mal à personne. Par contre, nos tortues au Québec, elles ne vont pas très bien. Entre autres, la tortue géographique, comme sur l'image, elles ont besoin de beaucoup de zones d'exposition au soleil et elles n'en trouvent plus beaucoup. Particulièrement dans notre région, là, dans le Haut-Saint-Laurent, où nos berges sont très, très artificielles, ce qui fait que ils n'ont plus de roches, ils n'ont plus de bio de bois où s'installer pour aller se faire réchauffer au soleil. Donc, elles vont, et ça, c'est essentiel, en fait, à leur système de réchauffement au soleil pour gagner l'énergie, tout pour les femelles là, au moment de la ponte. Donc, ce que vous pouvez faire pour aider les tortues, si vous avez accès à l'eau, c'est de leur installer, en fait, des plateformes d'exposition au soleil. Donc, on recommande là, d'avoir un minimum, de prendre des bio de cèdre parce que le cèdre ne pourrit pas ou presque pas. En fait, c'est très, très long. Donc, ça va vous éviter là, d'avoir à changer vos bio aux quelques années. D'avoir quand même un bon là, 10 cm là, de diamètre de bio et une certaine longueur. Là, on parle d'environ là, 1,5 m à 3 m de longueur de bio. Comme sur les images que vous voyez, en fait, donc ça, c'est à Héritage Saint-Bernard, à Châteauguay, qui ont installé des plateformes comme ça là, dans la rivière Châteauguay pour les tortues. Puis en fait, en moins de 48 heures, là, 100% de leurs plateformes ont été utilisées par des tortues géographiques. Donc, on voit que la demande, elle est là. Elles en ont vraiment besoin. Donc, c'est quelque chose de facile que vous pouvez installer là, chez vous si ça vous intéresse. Pour aider les tortues. Et finalement, je termine la présentation d'aujourd'hui avec un peu nos mal-aimés, donc les chauves-souris du Québec, qui malheureusement ne vont pas très bien. Là, donc, on a trois espèces qui ont perdu là, 99% là, de leur population en quelques années. On parle de à peine une décennie. C'est énorme. Il faut souligner que les chauves-souris là, jouent un rôle très important dans l'écosystème. Là. Elles vont manger une colonie de chauves-souris peuvent manger jusqu'à 1 million d'insectes en une nuit. Donc, 1 million d'insectes, une nuit. Tu sais, mes insectes qu'on n'aime pas trop avoir autour de nous là, quand on sort l'été. Donc, ça peut être très intéressant là, d'aider nos petites chauves-souris. Mais en fait, elles meurent à cause du museau blanc. Le syndrome du museau blanc, en fait, c'est un champignon. Encore, c'est champignon qui vient de s'installer sur leur museau. Ça va les piquer pendant l'hiver. Donc, ils vont se réveiller pour se gratter. Sauf qu'à chaque fois qu'elles se réveillent, elles vont perdre là, un certain pourcentage de leur énergie qu'elles ont comme accumulée pendant l'automne pour survivre à l'hiver. Et si elles se réveillent trop souvent, donc vont perdre trop d'énergie, elles ne passeront pas à travers l'hiver. C'est ce qui explique, là, entre autres, là, pourquoi c'est surtout les chauves-souris qui ne migrent pas ici, qui en sont atteintes et qui ont vraiment de la difficulté là, à passer à travers. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas encore trouvé de remède pour prévenir là, la maladie du syndrome du museau blanc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les aider à se réchauffer pendant l'hiver, donc besoin de moins d'aide, de moins de dépenser d'énergie pour se réchauffer. Donc, ce qu'on peut leur faire, c'est leur construire un dortoir. Donc, installer les dortoirs, là, c'est des petites boîtes, comme vous voyez sur l'image, dans lesquelles les chauves-souris vont pouvoir s'installer pour dormir pendant la journée. Donc, on les installe soit au début avril, avant la mise bas, ou à la fin de l'été. C'est important de les installer le sud-sud-ouest pour qu'il y ait une bonne orientation par le sous-soleil. Là. Donc, on a idéalement là, 8 à 10 heures de soleil par jour, donc c'est quand même beaucoup. Il faut fixer le dortoir à un minimum de hauteur de 3 mètres du sol, donc pour que les chauves-souris aient l'espace pour pouvoir s'insérer dans le dortoir. On peut faire des petites lignes là, pour que les chauves-souris puissent s'accrocher.
Important aussi que ça soit dégagé autour du dortoir, là, sinon les chauves-souris ne sont pas capables d'atteindre le dortoir, tout simplement. Donc, on le met sur un poteau, sur une résidence, carrément, ça se fait très bien aussi. Comme ça, puis pas trop d'arbres autour pour que vraiment les chauves-souris puissent localiser le dortoir et l'atteindre facilement. Important aussi là, qu'il n'y ait pas trop d'air qui rentre. Vous pouvez aussi peinturer en noir votre dortoir. Ça va aider à ce que la chaleur tape le plus possible sur le dortoir, là, surtout pendant l'hiver pour les réchauffer. Donc, nos petites chauves-souris en ont bien besoin. Donc, ça peut être quelque chose de super intéressant à voir. Par contre, si après avoir installé le nichoir, vous remarquez que le dortoir, pardon, et vous remarquez qu'après 2 ans, il n'est toujours pas utilisé, bien, peut-être de le changer de place à ce moment-là, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas au bon endroit. Par contre, s'il y en a dedans, tant mieux. Puis faites attention pour ne pas les déranger parce qu'on ne veut pas qu'elles s'en aillent. D'ailleurs, petite dernière chose avant la fin, on pense souvent là, que les chauves-souris sont atteintes de la rage, là, mais c'est un mythe en fait. Donc, il y a seulement 1% des chauves-souris qui sont atteintes de rage, puis en fait, elles vont mourir là, en 48 heures. Donc, il n'y a vraiment aucun danger là, à avoir des chauves-souris à la maison. Pas dans la maison, on s'entend, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, rapidement, on fait un petit retour. Donc, aménagement des infrastructures végétales. Donc, vous pouvez installer des jardins de pluie, des jardins qui sont en floraison toute l'année, mettre un couvre-sol autre que le gazon traditionnel. Vous pouvez aussi laisser les feuilles à l'automne et passer juste tout simplement la tondeuse dedans. Donc, moins de travail à faire. Tout le monde est content. Aménagement des infrastructures végétales. Vous pouvez changer votre pavé dans votre entrée pour que ça soit quelque chose qui laisse passer l'eau et la végétation. Installer des plantes grimpantes qui vont sur vos murs pour protéger votre maison et qui font un habitat. Les clôtures, c'est la même chose. Et si jamais vous voulez, vous pouvez aussi là, installer nichoirs, mangeoires, plateformes et dortoirs là, pour différentes espèces de la région. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Par contre, avant de passer aux questions, je tenais quand même à remercier là, tous nos commanditaires et pour leur aide, particulièrement la CO5, Cascade Emballage, Carton, Caisse, Association des pilotes du Québec, du Canada, par contre, la Caisse de jardin de Salaberry de Valleyfield et General Dynamics de Valleyfield pour leur soutien financier. Sans eux, là, on serait pas, je serais pas avec vous aujourd'hui pour faire la présentation. Et je vous invite à la présentation de Guillaume la semaine prochaine. Même heure, même pas, ce sera moi qui serai l'animatrice à ce moment-là. Donc, très intéressant là, sur comment protéger vos aménagements contre les espèces exotiques envahissantes. Voilà, c'est tout. C'est à la période des questions. Super, merci beaucoup Daphné. C'est une belle présentation. On a bien compris qu'il y avait énormément d'actions simples à réaliser qui peuvent favoriser la biodiversité, notamment les oiseaux que tu aimes tant. Pour les personnes qui ont partagé leur mail lors de l'inscription, on pourra partager la présentation, parce que ça a été demandé. Et puis à partir de maintenant, ça, nous allons passer à la période de questions-réponses. Donc à vos claviers pour qu'on puisse approfondir certains points si vous le désirez. Puis je vais commencer déjà par une première question qui a été envoyée pendant que tu faisais ta présentation, Daphné, de Madame Giroir, qui demande, concernant le feuillicyclage, est-ce que ça fonctionne même s'il y a beaucoup de feuilles sur un petit terrain? Quelle épaisseur on peut utiliser? Jusqu'à quelle épaisseur on peut mettre? Dans le fond, l'idéal, c'est que ça soit réparti le plus uniformément possible, mais que vous quand même voyez votre gazon en travers, c'est comme si vous voyez les petites tiges de gazon. Juste pour que le gazon puisse quand même respirer à travers les feuilles. Si vous en avez trop, vous pouvez toujours, là, comme je disais, le mettre au compost, l'utiliser là, dans vos plates-bandes comme protection si vous avez un potager, par exemple, ou autre. Mais c'est ça, là, juste pas que ça fasse super épais, qu'on voit le gazon à travers, mais aussi là, quand vous passez la tondeuse dedans, juste de déchiqueter déjà, là, ça devrait faire une bonne différence pour comme, aérer le tout et que le gazon là, puisse respirer. Parfait, merci. Il y avait une autre question de Caroline, donc je vais prendre dans l'ordre d'apparition. Est-ce qu'un nichoir à chauve-souris doit être aussi entretenu annuellement? Oui, c'est l'idéal. En fait, tout ce qui est installation là, devrait être entretenu le plus possible parce qu'il y a toujours un risque qu'il y ait des parasites qui s'installent. Donc, même chose là, au moment où les chauves-souris quittent ou juste avant qu'elles reviennent. Dans vos nichoirs, là, ça serait intéressant là, oui, de les nettoyer. Là, encore une fois, là, je pense qu'eau savonneuse ou eau de javel, là, ça peut, c'est des trucs que généralement les gens ont tous à la maison, là, donc ça fonctionne assez bien. OK, parfait. C'est parfait puisque tu enchaînes avec la question suivante qui était de Nathalie qui demande pour le nettoyage. Elle propose l'eau savonneuse ou quoi d'autre pour nettoyer justement. Est-ce que tu as vraiment des larges gammes? Est-ce qu'il y a des produits à éviter peut-être?
Produit habité, je pourrais pas te dire malheureusement, mais je pense que c'est ça. Eau savonneuse, d'habitude, c'est comme ça fait le job. Eau de Javel, évidemment, le diluer dans une certaine quantité. Puis sinon, nous, je pense que c'est pas mal ce qu'on utilise généralement. Je pense qu'il y a peut-être des produits qui se vendent dans les centres de jardin ou, exemple, chez Canadian Tire qui pourraient là aussi faire l'affaire, mais j'ai pas de nom là, précis qui vient en tête. Malheureusement, je suis désolée. D'accord. Il y a une autre question de Catherine. Est-ce que les plantes grimpantes recommandées sont adaptées pour des résidences avec un revêtement en vinyle? Une question un peu plus technique. Honnêtement, je l'essayerais. Je l'essayerais parce que dans le fond, c'est leur petite ventouse là, qui vont venir vraiment faire le travail. Fait que normalement, là, je pense que ça fonctionne bien. C'est pas vraiment que ça va peut-être moins bien fonctionner là, que sur un mortier comme des briques. Ça va peut-être leur prendre plus de temps à s'accrocher. Mais je suis pas mal certaine là, que oui, ça vaut la peine d'essayer. De toute façon, comme je disais, la vigne, là, ça se trouve pas mal un peu n'importe où. T'sais, si là, vous avez un voisin qui en a, ben, demandez juste une branche. De la couper, la mettre dans l'eau le temps qu'elle fasse des racines. Puis après ça, là, les plantes grimpantes, l'avantage, c'est qu'elles n'ont pas besoin de grand-chose là, pour pousser, là. J'en avais sur mon ancienne résidence, puis honnêtement, elles poussaient presque dans l'asphalte, là. Fait que ça prend pas grand-chose. Ouais, en effet, c'est des plantes très très compétitrices, peut-être juste au fur et à mesure des années, surtout au début, voir si le revêtement se détériore rapidement ou pas. Et à ce moment-là, c'est facile de l'enlever tant qu'elle n'est pas trop répartie non plus. Non, c'est ça. Puis je pense qu'il y a des gens aussi qui mettent un treillis tout simplement là, sur leur structure. Là. Fait que là, avec le treillis, il n'y a vraiment aucun problème. Puis ça fait en même temps que la plante ne s'agrippera pas directement à votre structure. Donc, si c'est une crainte que vous aviez, là, ça peut être la solution là, de simplement mettre un treillis. Tout à fait. J'avais une autre question de Madame Giroir, donc concernant les plateformes à tortues. Elle se demandait est-ce que les tortues serpentines vont sur ces plateformes? Je suis pas mal sûre que toutes les tortues vont sur cette plateforme-là parce qu'elles ont toutes besoin, elles ont toutes le même fonctionnement. C'est toutes des espèces là, poikilothermes, là, donc qui ont besoin de soleil pour se réchauffer puis pour comme, accumuler leur énergie. Donc oui, je suis pas mal certaine que les serpentines les utilisent aussi. Ce qu'on sait, c'est que dans la région, c'est une problématique majeure pour les tortues géographiques qui ont potentiellement le problème, qui ont besoin de plus de soleil tout simplement là, pour arriver à faire leur cycle complet. Les tortues serpentines, qui sont quand même des tortues assez aquatiques, là, vont passer la grosse, grosse majeure partie de leur temps dans l'eau. Mais c'est sûr que dans les journées, il fait peut-être un peu plus froid au printemps ou à l'automne. Ça peut être intéressant pour eux là, de se réchauffer. Donc oui, c'est sûr qu'on pourrait les utiliser à ce moment-là. D'accord. Peut-être j'interprète sa question aussi, mais peut-être qu'elle se posait la question de savoir est-ce que ça peut être dangereux, comme on connaît les tortues serpentines, peuvent être dangereuses. Peut-être qu'installer par exemple une plateforme un peu plus loin de la berge ou comment Ben, tu. ou juste de laisser les tortues tout simplement tranquilles, là, souvent. C'est sûr. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner, là. Les tortues géographiques sont aussi très, très craintives, là. Fait que dès qu'on s'approche, elles vont s'en aller dans l'eau, là. Fait que ça peut être. Si ça peut vous aider, là. Les tortues serpentines, pour attaquer, il faut vraiment que tu la déranges, là. Fait que. Faut aller vraiment proche là. Si vous installez des plateformes que je recommande fortement, peut-être que vous pourriez installer une petite affiche. T'sais, si comme ça, si les gens qui viennent de l'extérieur sont comme curieux puis ils veulent venir voir, ben de juste leur dire faire attention de laisser la tortue là, ou les tortues puisque souvent sont plusieurs. Tranquille. À une certaine distance là, généralement ça se passe bien. C'est vrai qu'on peut même en faire une généralité pour la biodiversité. En règle générale, si on respecte les animaux, ils ne nous font pas de mal. Non, non, effectivement. Ils ont souvent beaucoup plus peur de nous que nous, on a peur d'eux. Exactement. On avait une autre question d'un anonyme, personne qui a souhaité rester anonyme. Lorsqu'on tond le gazon, ou le trèfle, ou autre, doit-on le laisser sur place? Ou doit-on couper les feuilles aussi? Ben dans le fond, le gazon, c'est ce qu'on appelle l'herbicyclage. Donc, oui, quand vous tondez quand vous faites la tondeuse, le plus possible là, de laisser. Les retailles en fait de gazon au sol, généralement là, en moins de 48 heures, elles sont décomposées, là, c'est assez rapide. Puis ça permet encore une fois là, de faire un engrais naturel là, pour votre gazon. Fait que juste d'enlever la trappe finalement là, de votre tondeuse qui comme accumulait tout le gazon. Là. Comme ça se fait au fur et à mesure. C'est sûr qu'à ce moment-là, vous en avez peut-être un peu plus sur vous. Mais bon, ça fait partie des joies du jardinage de sortir un peu sale de ça. Fait que, On bon. aime tous l'odeur de l'herbe coupée. Oui. À ce sujet, justement, est-ce que
Ouais, je peux peut-être prendre une toute petite explication aussi sur le cycle. Si on considère justement le gazon, aujourd'hui on aime bien tous avoir un beau gazon bien coupé, bien tondu, mais ça implique qu'on tond régulièrement et donc on exporte la matière. Et par rapport au cycle, tout ce qui était dans le sol est exporté. Donc on perd de la matière organique et ça implique que le cycle de la matière est décalé et on perd tout ce qui va permettre aux plantes de pousser. Donc si on fait ça trop longtemps, les plantes vont mourir. C'est pour ça qu'on ajoute notamment des engrais. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on laisse le gazon sur place, on a besoin de moins d'engrais. Voilà, c'est petit point en plus. Petit aparté. C'est ça. J'ai une nouvelle question de Madame Viroir. Quand on installe des nichoirs, doit-on éviter de clouer dans l'arbre pour ne pas l'endommager? Oui, c'est possible. Souvent, là, nous, les nichoirs de Permhabitat, d'ailleurs, là, qui est en image, ils ont toujours comme un genre de crochet sur lequel là, nous, on les installe avec du fil de métal, tout simplement. Donc, oui, si vous pouvez éviter, faites-le. Sinon, c'est pas non plus la fin du monde, là, c'est de clouer dans l'arbre. Je veux dire, un arbre, c'est assez massif pour être capable d'en prendre. Mais c'est sûr que si vous pouvez éviter, là, faites-le le plus possible. Là, c'est toujours, on ne veut pas non plus faire des trous pour le fun dans l'arbre. C'est sûr. Pour l'instant, on arrive pas mal à la fin de toutes les questions. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes, au Non, contraire. non, ben non. On est là pour ça. Pour les personnes qui sont sur Facebook, vous pouvez utiliser l'onglet commenter pour poser votre question. Puis pour Sinon, les ben, autres. pendant ce temps-là, dans le fond, je vous ai mis les références, là, j'ai pris la majeure partie des informations que je n'avais pas déjà dans mes propres connaissances sur les sites que vous avez ici, là. Donc, entre autres, le jardinier paresseux qui fait vraiment beaucoup de. Qui fait des super belles capsules et comme de blog, là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, le guide de l'entreprise Écohabitation, là, eux, ils ont vraiment. Ils couvrent vraiment un large spectre. De type d'aménagement que vous pouvez faire chez vous. Ils offrent aussi, je pense, des formations. Vraiment, là, c'est des super beaux sites à aller visiter là, si c'est le genre de choses qui vous intéressent. Là. Dans mon cas, ils m'ont beaucoup aidé. C'est des petits tips très utiles. Vraiment. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je laisse un petit. Ah, si, on a d'autres d'apparus, excusez-moi. Ils viennent d'apparaître. Donc, de Denise Bergeron de Paincourt. Comment se débarrasser du couvre-sol Creeping Charlie? Creeping Charlie, je pense que c'est un. Oui, je pense que j'en ai déjà entendu parler. Honnêtement, le couvre-sol. Moi, ce que j'ai fait chez moi, c'est en fait de planter du trèfle petit peu par petit peu. Ça a été là, ce qui a été le plus efficace parce que le trèfle est quand même, dans un certain sens, envahissant. Il va prendre beaucoup de place. Le trèfle est vraiment bon pour ça si vous voulez comme faire un changement. C'est vraiment le best. Donc, de mettre une certaine couverture de sol de topsoil finalement, là, de terre brune ou noire, puis de semer le trèfle à travers ça. Là, moi, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus efficace. Là, chez nous, ça a marché très, très bien. C'est vrai que ça peut être synonyme parfois d'un sol qui est pauvre justement en nutriments. Donc il y a de grandes chances qu'il faille repartir à zéro et puis soit labourer, soit refaire le sol, puis apporter un petit peu de matière organique et ensuite semer une espèce choisie. Puisque le Creeping Charlie doit être très très compétitif et c'est pour ça que souvent il peut très bien couvrir, mais ça ne veut pas dire Voilà. qu'il est totalement néfaste non plus pour la Non. biodiversité. Donc Non, c'est après, au choix, soit le exact. choix de son Non, opte. puis sinon, vous pouvez y aller progressivement. T'sais, faire une parcelle, ensuite une autre parcelle. Puis si vous choisissez le trèfle, par exemple, ben lui, comme je disais, il est très envahissant de lui-même. Donc, il va probablement sortir de votre parcelle pour s'étendre un peu partout là, de façon naturelle. Donc, ça peut être une solution aussi là, qui est peut-être un peu moins coûteuse de juste en disséminer un petit peu partout. Puis, il va faire son travail par lui-même. Donc j'ai une autre question de Brigitte sans souci. Avez-vous des exemples de noms de mousses à feuilles persistantes? Oh, bonne question. Malheureusement, vite comme ça, non. Mais le jardinier paresseux, on a. Donc, ça peut être juste d'aller faire un petit tour là, sur son site. Là, puis, moi, je pense qu'il y en a comme 4, 5, 6. Là, donc, vous aurez simplement à choisir celle qui vous convient le mieux. Une autre question d'un anonyme. Installer des petites lumières extérieures est-il nuisible pour les chauves-souris?
Je pense que ça dépend du type de lumière que vous utilisez, puis beaucoup de la direction dans laquelle vous envoyez votre lumière. Je pense entre autres là, à Mégantic, ils ont toutes leurs lumières sont orientées vraiment vers le bas. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant là, qui fait que la luminosité se reste vraiment au sol. Donc, c'est vraiment pour nous, ça va. Mais les chauves-souris ne sont pas là, affectées par ça. Je pense que aussi les DEL ont comme moins un impact là, négatif sur l'écolocalisation. Là, donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi à ce moment-là. Pour compléter aussi, Daphné, je dirais même que ça peut être un atout dans le sens où les lumières attirent plein d'insectes et parfois les soirs d'été, on voit qu'il y a énormément de chauves-souris qui tournent autour des lampadaires. Ça, c'est le côté positif pour les chauves-souris puisqu'elles ont un garde-manger qui se rassemble au même endroit. Par contre, ça peut être négatif pour d'autres espèces comme des espèces qui vivent plutôt le jour et qui sont perturbées par justement les éclairages. Je dirais qu'à partir du moment où ils ne sont pas trop puissants, si les lumières pas trop puissantes, ce n'est pas trop, trop grave. Surtout, éviter qu'elles soient allumées peut-être toute la nuit. Il y a une autre question. Est-ce une bonne idée de planter des fraises sauvages dans notre cour? Oui. Oui, moi, j'ai l'impression de comme dire que je fais tout chez nous, là, mais oui, j'en ai chez nous aussi, des fraises sauvages que j'ai laissées là, juste aller. Ça fonctionne super bien. Puis les petites fleurs blanches, là, ben, elles n'ont pas besoin d'être pollinisées là, pour donner des fraises. Donc, ça sent aussi pour les abeilles. Donc, oui, totalement. Puis même les fraises en tant que telles, si on n'a pas le temps de les manger, sont mangées par d'autres personnes. Oui, les écureuils sont très contents généralement quand on en oublie quelques-unes. Pour l'instant, il n'y avait plus de questions, je crois. N'hésitez pas. Il nous reste 4 minutes. C'est le moment de se lancer. En tout cas, vite, vite. Oui. Je ne sais pas si mon conjoint est là, mais s'il peut apporter ma prise d'ordinateur, j'ai bientôt plus de batterie. Mais sinon, vas-y rapidement si tu veux. Je ne sais pas si c'est long. Non, mais de toute façon, il reste 4 minutes. D'accord. Correct. Mais... En tout cas, merci beaucoup, Daphné, pour ta belle présentation. C'est vraiment très intéressant. On a beaucoup de propositions. Alors, je mets au défi toutes les personnes qui nous écoutent de se lancer dans chacune de tes propositions. Mais je pense que déjà, si on en fait une, par exemple, une par an, ça peut être parfait. Moi, j'avais une question. Quelle est la meilleure période pour faire un aménagement chez soi, notamment les aménagements qui sont un peu plus manuels, on va dire. Ah, je pense que Daphné nous a quittés. Donc, j'ai posé la question dans le vide. Vous pouvez toujours me poser des questions. On est une équipe de biologistes au comité ZIP, donc je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux, même si ce n'est pas ma spécialité. Mais on va attendre tranquillement la fin de cette conférence. Je reste là au cas où, n'hésitez pas. Alors, il y a deux nouvelles questions de Marianne Blondin. La présentation sera disponible pour écouter sur Facebook. Oui, elle restera sur Facebook. Et pour les personnes qui ont partagé leur mail, on pourra directement vous l'envoyer aussi au format PDF. Et oui, la semaine prochaine sera aussi disponible sur Facebook. Donc, elle sera enregistrée, mais elle sera aussi en Facebook Live. Donc, elle devrait rester sur Facebook. C'est à confirmer, mais je pense qu'il y a de grandes chances que oui. Êtes-vous facilement joignable via Facebook? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous envoyer des messages via Facebook. Vous pouvez aussi nous contacter l'adresse mail que je vais mettre dans le chat. Que ce soit pour Daphné, c'est projet, projet, avec un S, @zip.hsl.org. Pour toutes les questions. Et si vous souhaitez me contacter, vous ajoutez juste un 2 à projet et puis ce sera mon mail à moi. Fanny a une autre question. Est-ce qu'on doit éviter le soleil pour l'îlot de pluie? Ah bah, parfait. Daphné revient. As-tu entendu cette question? Ok, ton micro est désactivé pour l'instant et je te répète la question de Fanny qui est est-ce qu'on doit éviter le soleil pour l'îlot de pluie?
Je pense que ça dépend de votre la pente, que je pourrais dire, ou de l'emplacement, vraiment. Tu sais, c'est un endroit où vous savez qu'il y a beaucoup d'eau qui va arriver, ou si c'est à proximité de la maison. Je pense pas que ça soit très grave qu'il y ait beaucoup de soleil. Il y a des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau et beaucoup de soleil, donc ça peut très bien fonctionner. Si c'est quelque chose qui est, par contre, loin de votre maison, ou ça pourrait être difficile, par exemple, dans un cas de sécheresse, de plus avoir accès avec l'arrosoir, ben à ce moment-là, peut-être prendre des plantes qui ont besoin d'un peu moins, là, qui survivent bien à la sécheresse ou qui survivent bien aux différences, là, aux différentes températures. Il y a des plantes qui sont super rustiques, là, qui vivent très bien dans beaucoup d'eau et dans beaucoup de soleil ou dans beaucoup de sécheresse. Donc, généralement, c'est des plantes que je suggère, là, pour ce genre de d'habitat. Super. Il y a une autre question que j'ai sautée. Il y en a eu beaucoup arrivées au moment où tu es partie, Daphné. Enfin, beaucoup d'informations. Denise Bergeron de Pincourt qui demande comment redonner un peu de vie à des vieux cèdres. À des vieux cèdres, je dirais peut-être une bonne petite coupe de cheveux. Des fois, là, leur donner comme un espèce de souffle qu'ils n'ont plus besoin de comme alimenter là, 100% du cèdre là, tout d'un coup. Ça leur redonne l'énergie qu'ils ont pour. Qu'ils ont, en fait, le comme le second souffle qu'ils ont besoin. Fait que des fois, c'est comme un peu contre-intuitif, là, mais de couper des vieilles branches, ça peut là, vraiment faire une différence. Mais je dirais que je ne suis pas non plus horticultrice, là, fait que peut-être que mais je mettrais un petit bémol là-dessus, là, vous informer peut-être sur un centre de jardin. Vous pourrez probablement plus vous aider que moi. Parfait. Ben, il est 20h01. S'il y a d'autres questions, on peut en prendre encore quelques-unes vite, vite. N'hésitez pas, c'est le dernier moment. Puis sinon, on va pouvoir gentiment se quitter. On remercie bien évidemment tous les participants. On te remercie, oui, toi, merci. Daphné, pour ta belle présentation. Ben, merci à toi, Guillaume, pour ta super animation. Et ça fait plaisir. Puis pour l'instant, comme nous n'avons plus de questions, je vérifie une dernière fois sur Facebook. S'il y a un commentaire. Oui, David Farran, pardon. Y a-t-il un prédateur naturel à la coccinelle asiatique? Pas que je sache encore, Guillaume, tu me corrigeras. Pas que je sache encore particulier de. Il n'y a pas un là, qui est comme vraiment pour la coccinelle. J'imagine par contre que tous oiseaux qui sont ou autres animaux qui sont insectivores, j'imagine qu'ils en mangent tout à fait. Mais je ne pense pas qu'on ait encore là, quelque chose qui soit spécifique à ça. C'est pas encore là. Pour les coccinelles. En général, c'est compliqué, parce qu'en plus, ce sont elles-mêmes des prédatrices. Donc, c'est là où ça devient compliqué, au sein du règne vraiment insecte. Mais c'est vrai que par contre, des oiseaux, peut-être certaines colonies de fourmis, parfois, se vont sur d'autres colonies pour vraiment les épuiser. Mais peut-être des grenouilles. C'est possible. Mais c'est ça, on n'a pas encore de super prédateurs pour les coccinelles asiatiques. Il y a une autre question de Nicodème Mendy. Est-ce une bonne idée d'avoir des grenouilles dans son jardin? Oui, tout à fait. Les grenouilles vont manger là, les insectes qui vous dérangent peut-être vous. Donc, c'est excellent. C'est triste, mais aussi, les grenouilles vont servir de nourriture à d'autres animaux. Donc, ça aussi, c'est sûr que c'est un grand cycle de la vie. Donc, c'est important là, d'avoir quelqu'un qui nourrit l'autre quelqu'un. Donc oui, là, c'est excellent d'avoir des grenouilles. Si vous avez la chance d'en avoir, là, comptez-vous chanceux, c'est super bon. Ça va, ils vont gérer vos insectes sans problème. Je fais une petite précision aussi sur les grenouilles. C'est un très bon bio-indicateur. Les bio-indicateurs, ça veut dire que ça indique si la qualité de votre jardin est bonne. Et si vous voyez des grenouilles, ça veut dire que vous avez un bel écosystème et plus particulièrement un système terrestre qui les intéresse, puisque quand elles sont dans l'eau, on sait que les grenouilles se reproduisent dans l'eau grâce à leurs œufs, mais ensuite elles ont besoin de sortir pour aller manger hors de l'eau parfois, et donc ça veut dire que vous avez des bonnes ressources en nourriture pour ces dernières. Il n'y a plus de questions sur le Facebook ni sur Zoom. Dernier shot pour ceux qui veulent, puis sinon on va pouvoir aller. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire aussi. Là, je pense que Guillaume a mis mon adresse courriel. Donc, si jamais vous avez des questions autres qui vous popent en tête, ça va me faire plaisir d'y répondre là, le plus rapidement possible sur mon adresse courriel. Exactement. Ou vous pouvez appeler au comité ZIP. On est quand même plusieurs biologistes présents. Là, on a tous des expertises différentes aussi. Là, donc, si vous avez des questions sur autre chose, n'hésitez pas. Tout
ce qui concerne l'environnement et le fleuve Saint-Laurent, on est disponible. Ouais. La conférence a été enregistrée et puis elle restera sur le Facebook Live aussi pour revisionner. Et puis la semaine prochaine, à la même heure, à 19h, c'est la deuxième conférence qui aura lieu. Donc, n'hésitez pas à venir si celle-ci vous a plu. Encore merci pour votre présence. Et puis, Daphné, si c'est bon pour toi, je propose qu'on termine cette conférence. Oui, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Donc, merci à tous pour votre présence. Puis, merci pour les belles questions. C'était très agréable. Oui, très bonne participation. Merci tout le monde. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.